Salut les athlètes et parents d'athlètes, coach Goyette pour Goyette 360. Salut les forts de Chambly, j'espère que vous allez bien. Entraînement live numéro 16. Puis quelle belle journée pour faire l'entraînement, une température comme ça, il n'y a rien de mieux. On est à l'intérieur, on n'a pas l'impression qu'on manque rien. Let's go! On va se faire un bon entraînement aujourd'hui. Puis en passant, je vais faire un petit clin d'œil. Aiden la tendresse. Salut, mon athlète. Aujourd'hui, l'entraînement qu'on va faire, je te l'ai dit la semaine dernière, je t'ai dit qu'on va changer le beat un peu. Puis j'aimerais ça travailler ce live-là. Malheureusement, les parents, vous allez souffrir un peu. Ça va être comme ça. C'est comme ça. C'est un training d'hockey aujourd'hui. C'est vraiment pour un hockeyeur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler beaucoup les jambes. Pourquoi? Ben, vous avez été plusieurs à m'écrire. Quand je vous demande qu'est-ce que vous voulez travailler, c'est tout le temps, ben, je vais augmenter ma vitesse. Je vais faire... L'hockey, c'est très jambes, très core. On le sait. Faut pas quand même oublier le haut du corps. Mais aujourd'hui, on va le faire un peu plus spécifique ensemble. OK? Je t'explique un peu comment est-ce qu'on va travailler. Aujourd'hui, on a 3 périodes tout le temps, OK? Puis ça, là, c'est important aussi de prendre ça en considération, ton volume d'exercice. Là, c'est spécial, on fait des entraînements, c'est 1 heure, c'est assez intense, puis on a toujours été un petit peu plus axé sur la portion cardiovasculaire, tu sais, c'est très cardio, c'est très énergétique, je suis brûlé à la fin, pareil comme toi, mais aujourd'hui, ça va être différent. Aujourd'hui, ça va être musculaire, puis on va axer vraiment sur les muscles des jambes, spécifiquement pour toi, mon joueur de hockey, pour faire en sorte que ça t'aide, puis ça va te donner des bonnes idées. Si après, tu veux reprendre cet entraînement-là, puis le répéter, que ce soit par segment, ça veut dire, si tu veux faire juste la période 1, la période 2, tu vas pouvoir le faire. Si tu veux faire les 3 périodes, good, période 2, période... Ça peut être des petits entraînements bien intenses, puis ça va faire la job, OK? Premier round qu'on va faire, on va travailler jambes avec un peu de corps, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir juste 4 exercices. Puis dans les 4 exercices, on va faire plus de jambes que de haut de corps, mais on va faire un exercice de jambes, un exercice pour le haut, un autre exercice pour les jambes très spécifiques, puis on va terminer ça, le numéro 4, toujours avec un exercice qui va nous demander un petit peu plus au niveau énergétique. On va prendre un petit break, puis on répète. OK? Fait que ça va être un peu, ça va changer le beat un peu. On n'est pas nécessairement sur le timer. Tantôt, on va en avoir besoin de notre chronomètre. OK? On va s'en servir, mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en répétition. Fait que t'es-tu prêt? Gros workout! Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt, je suis motivé. Puis moi aussi, j'espère que mon hockey va recommencer. Puis j'ai hâte de m'y remettre, là, parce que je suis pas comme toi. Tu sais, des fois, tu vas jouer à patinoire. Moi, je suis un frileux. J'ai froid, mais j'y vais y aller quand même. Ouais, c'est sûr que je vais y aller parce que j'ai trop hâte de jouer. OK, on part ça. On va faire l'échauffement comme d'habitude. On va commencer par échauffer le bas du corps, puis on monte, on monte, on monte. On va s'exciter un petit peu, puis après ça, on part. T'es prêt? On part ça avec les chevilles. On tourne. Il faut échauffer chacune des articulations comme il faut. L'autre côté, on tourne. Là, j'espère que vous m'entendez mieux avec mon micro aujourd'hui. Je pense que oui, là, ça va bien mieux. Vous n'avez pas l'impression que je suis en arrière. Puis je m'excuse pour ceux qui ont fait l'autre côté maintenant, ceux qui ont fait l'entraînement de stick handling la semaine dernière, le micro, ça ne fonctionnait pas pantoute. On revient, on s'en va aux genoux, on tourne un peu sur un côté, quelques tours. On va y aller l'autre côté. Oui, réchauffe, on échauffe comme il faut les... articulations. Parfait. Maintenant, on va y aller aux hanches. Fais des cercles un peu avec tes hanches. Yes! Puis là, maman, papa, vous êtes capable de le faire avec nous autres. C'est juste que demain, vous allez marcher un peu carré, comme on dit. OK? C'est pas plus grave que ça. Puis moi, l'autre côté, je vous croiserai pas. Fait qu'il y a pas grand chance qu'il m'arrive quelque chose. Mais vous allez voir, ça va être dur. Sérieux, ça va être dur. Puis c'est comme ça, hein? On revient. On n'en a pas de facile. On est rendu là. On est rendu bon. Puis, ça fait partie de notre développement, si tu veux. OK? Toujours comme ça. On tourne, on tourne, on tourne. On revient de l'autre côté. Tu sais, c'est pareil comme dans ton camp de hockey ou même dans ton équipe de hockey. Au début, tu trouves ça correct. Tough, à un moment donné, ça monte la coche. Tourne les bras.
Puis let's go, ça monte, ça monte, ça monte. Puis l'année d'après, tu t'en rends pas compte, puis tu es rendu ailleurs. Tu es déjà meilleur que tu étais l'année dernière. C'est toujours comme ça. On lâche pas, tourne, fais des grands cercles, grands cercles, grands cercles. L'autre côté, yes! On lâche pas. Puis aujourd'hui, comme je te dis, on revient, c'est pas très axé, le but, c'est pas cardio. On sera pas, peut-être pas brûlé au niveau cardio, musculaire aujourd'hui, OK? Plie les genoux un petit peu, les pieds larges, touche au sol, les genoux fléchis un peu, touche, trois points touch, on allonge, pousse, yes, hop, deux autres, good, un dernier, parfait, maintenant, amène les mains en avant, on tourne, tourne, garde les genoux fléchis tout le temps, puis expire, c'est important que tu respires comme il faut. Puis aujourd'hui, on va travailler aussi techniquement, il faut que ce soit comme il faut. OK? Il faut que tu te pratiques. Puis ça ne sera pas nécessairement facile pour tout le monde. Tourne, un autre. Parfait. All right. Maintenant, ce qu'on va faire, on va échauffer nos jambes encore un peu. OK? Tu vas tirer le genou, tire l'autre jambe, tire. Puis pas peur de tirer, fais pas semblant. Fais pas, donne pas une claque sur ton genou. Parce que quand tu vas tirer, ça va étirer ton derrière de jambe. Tire. Tu vas sentir que ça tire au niveau fessier puis au niveau de la hanche. Tire. Tire. Rentre le ventre, lève la poitrine. Tu ne veux pas faire. Tu veux l'inverse. Lève la poitrine. Lève la poitrine. Un autre chaque côté. Un autre fois. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller tirer un peu les hanches. On va aller porter la jambe en arrière comme si on faisait un lunge. Puis on va lever les bras pour faire en sorte que ça vienne tout étirer au niveau de la hanche. Mais toujours en mouvement. OK? Fait que ce qu'on fait, on va faire 4 de chaque côté. T'es prêt? On s'en va en arrière. Lève. Reviens. L'autre côté. Puis à chaque fois, lève. Pousse ta hanche en avant. Good. Pousse ta hanche en avant. Parfait. 2 autres de chaque côté. Good. Ouais. Un autre. Good. Un autre. Parfait. Maintenant, pour terminer, on va lever le genou puis on va tourner de côté comme ça. Tourne. 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 Lâche pas. Tourne. Tourne. Puis lève-le ton genou. Yes! Un autre chaque côté. Et voilà. Good! OK. Maintenant, ce qu'on va faire. Premier exercice. Le plus difficile, mon préféré, on va avoir besoin d'un banc ou n'importe quoi, tu vas pouvoir mettre ton pied. Tu vas mettre ton pied là-dessus. Puis on va faire notre one leg split squat. 10 répétitions seulement. Pas 12, pas 30 secondes, 10. 10 d'un côté, super bien contrôlé. 10 de l'autre, OK? Tout de suite après, on s'en va faire push-up. Push-up, c'est mon exercice préféré. On travaille le haut du corps, les bras, les épaules, la poitrine, mais aussi le core, ton, tes abdos. Tout le tronc travaille. Ensuite, on va faire butt lift. On va se coucher sur le dos, on va mettre les pieds, puis on va pousser les fesses. Ça, c'est un très bon exercice pour travailler derrière la jambe fessier. Ça t'aide dans ta poussée de patin. C'est un exercice qui a l'air de rien, mais qui est super important puis est très utile. Puis on va terminer ça, 4e exercice, burpees, 10 burpees. OK? Pas 30 secondes, pas 25 burpees, 10 comme il faut. On prend une petite 30 secondes, puis on répète. On va essayer de faire ça 3 fois. OK? On part avec ça, t'es-tu prêt? Première période, c'est bon. Puis là, on s'installe sur notre banc. Si t'as pas de banc, tu peux faire un lunge normal. OK? Si tu as un banc, tant mieux. 3 pas du banc. On va mettre un pied en arrière sur le banc. Rentre ton ventre. Puis là, on va faire... On travaille avec des poids invisibles. On va faire comme si on avait des poids. Puis là, on va descendre doucement. Tu vas plier le genou. Regarde mon genou. Je sors mon fessier, je descends. Puis je m'en vais porter le genou vers le sol. Quand ça, ça arrive parallèle. Quand ta cuisse arrive parallèle au sol, on remonte. Puis tu gardes toujours le poids sur ta jambe en avant. Faut pas que ton genou dépasse trop loin, puis il faut qu'il reste en ligne droite avec tes orteils. Ça n'en fait-tu des affaires, ça? Hein? Mais c'est comme ça quand on s'entraîne. On programme notre corps à bien bouger, bien fonctionner. Pour que quand on n'est pas, on y pense pas, ça se fait tout seul. T'es prêt? On y va? On descend lentement. On monte. 1,
Descends doucement. 2. 1, 2, 3. C'est à peu près à ce rythme-là. 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. Hey, tiens tes poids forts, hein? 1, 2, 8. On a des 50 livres chaque barre. 2, 9. Dernier. 1, 2, et 10. Puis c'est important, tu vois, je te fais descendre 1, 2. Les histoires d'aller vite, là, pas bonne affaire. Il y a des moments pour aller vite, il y a des moments pour travailler doucement. Ça, c'est lentement. Il faut rajouter de la tension. On descend lentement. Tiens tes poids. C'est parti. 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Toujours garder ton poids sur ta jambe d'en avant. 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. Lâche pas. Chest up tout le temps. 2, 7. 1, 2, 8. Deux autres. 2, 9. Dernier. 1, 2, et 10. Parfait. Maintenant, on s'en va en push-up. Tu vas mettre les mains largeur des épaules. Tu es prêt? Comme ça, on descend la poitrine au sol. Tu mets tes mains chaque côté. Tu sais, des orteils. Hop, bande tes fesses, laisse-toi pas tomber, lève-les un peu, puis on va descendre en pliant les coudes en premier, pas en poussant ta tête. T'es prêt? 1, 2, 1, 1, 2, 2. Fait qu'on y va à peu près à ce beat-là. 3, 4, 5, 6, viens coller les omoplates, 7, garde la tête haute, 8, 9, dernier, 10, parfait. Maintenant, on va se coucher sur le dos, OK? On va aller placer nos pieds sur le banc. Si tu n'as pas les pieds sur le banc, tu peux les laisser au sol. Mais on va les fléchir, si tu es au sol, comme ça, puis sinon, sur ton banc, comme ça. Puis là, ce qu'on va faire, on va aller pousser les fesses vers le plafond. Mais il faut que tu contractes tes fessiers fort. Faut pas que ce soit dans ton dos. Tu mets les mains chaque côté. On va faire un petit engagement avec ton bassin. Tu vas envoyer tes fesses, ton bas de dos va venir coller au sol. Puis là, on continue. Contracte tes fesses. On descend. 1. 2. 3. 4. Lâche pas. 5. 6. Serre fort tes fesses. Push. 7. Up. 8. Up. 9. Dernier. Up. Et 10. Good job. Puis quand tu vas reprendre cet entraînement-là, bien, ça ne me dérange pas que tu le fasses à une seule jambe. 10-10. Ça va être un peu plus dur, mais je pense que tu es capable de faire ça. OK? Maintenant, 10 burpees. Ça, c'est la version. Là, il faut se fatiguer. L'énergie. T'es prêt? On descend. Let's go. On y va. Hop! Puis on va aller jusqu'au sol. Descends jusqu'au sol. Hop! 2. Lâche pas. 3. Come on. 4. 5. On a la moitié de fête. 6. Lâche pas. 7. Come on. 8. Deux autres. 9. Dernier. Hop. Et 10. Parfait. 30 secondes. On prend une petite gorgée. Et on repart. Parfait. C'est important quand même tes repos là. On repart avec les poids dans les jambes. 3 pas. OK. Pied derrière. Chest up. On prend nos 150 livres là. Serre fort. Tire les épaules en arrière. Sors la poitrine. Sois fier. C'est parti. 1. Descends. 2. Descends. 3. Puis une bonne respiration. 4. 5. Lâche pas. 6.
Sors la poitrine, pousse ta fesse. 7. Hop. 8. Deux autres. Hop. 9. Hop. Et 10. Oui. Top shape. Très bon. Lâche pas. On y va avec l'autre. Ouais, je suis correct. T'es prêt? On prend nos 150 livres. C'est reparti. 1. Descends. Serre l'effort, tes poids sont lourds. 2. Tiens l'effort. 3. Descends. 4. Lâche pas. 5. Good job. 6. Chest up. 7. 8. Deux autres. 9. Dernier. Hop. Et 10. Oui, monsieur. On s'en va faire nos push-ups. Si tu n'es plus capable, vas-y sur les genoux, mais change pas la technique, puis descends en bas. Hein? C'est de même qu'on va devenir plus fort. Good. Les mains à la poitrine. On part ça. Descends. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dernier. 10. Parfait. On s'en va sur le dos. On se couche sur le dos. Good. Puis tu sais quoi? On va le faire à une jambe. T'es-tu prêt? T'es capable. Au sol ou sur le banc. Une jambe, on commence avec la jambe droite au sol. On pousse avec le talon dans la chaise. T'es prêt? 1. Down. 2. Down. 3. Good job. Pousse. 4. Yes. Pousse vers le sol. Pousse les fesses vers le plafond. 5. 6. 7. Contracte. 8. Deux autres. Oh, je suis rendu loin. 9. Good. Dernier. Et 10. Puis ça, c'est important. T'as-tu vu, j'ai regardé où j'étais rendu. Ça se peut que je bouge. Faut que je me repositionne comme il faut pour pas perdre mon mouvement. Pas perdre l'effet de l'exercice. T'es prêt? Let's go. 1. Puis là, ça se peut que t'aies une jambe plus forte que l'autre. Tout à fait normal. 2. 3. Lâche pas. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8. Deux autres. Hop. 9. Je me replace. Hop. Et 10. Super. OK. On s'en vient faire nos 10 burpees. T'es-tu prêt? OK. On est prêt? C'est parti. Down. Sur le ventre. Reviens. 1. Let's go. Hop. 2. Yes, ça va bien. 3. 4. Good job. 5. Lâche pas, mon athlète. 6. 4 autres. 7. Hop. 8. 2 autres. Oup. 9. Dernier. Et 10. Petite gorgée d'eau. On recommence. Pour un troisième. C'est bon. OK. Good. On se replace. Trois pas dernier. On essaye-tu avec les 160? Oh, on essaye avec les 160 livres. Let's go. Oh my God. Tu prêt? On prend nos gros poids. Oh my God, c'est tellement lourd. Let's go. C'est parti. Hop. 1. 2. 3. Lentement. 4. Come on. 5. Serre tes poids forts. Tire le chest. 6. 7. 8. Deux autres. 9. Et 10. Good job. L'autre côté. Ouh, ça rentre, hein? Let's go. L'autre côté. Un petit peu. M'assurer que je suis dans le centre. C'est parti.
Down. Un. Deux. Yes. Trois. Sors les poids forts. Quatre. Lâche pas. Cinq. Six. Let's go. Sept. Huit. Let's go. Neuf. Dernier. Et dix. Good job. Push up. Oh yes. OK. On met les mains à chaque côté de la poitrine. Ouvre les pieds. Hop. Oups. C'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Good job. All right. Pour sauver du temps, on va y aller avec les deux jambes. Pour avoir le temps de tout faire aujourd'hui. T'es prêt? Tire les orteils. Jambes à 90 degrés. On ouvre les mains. On pousse avec les fessiers. Let's go. Un. Down. Deux. Down. Trois. Come on. Quatre. Lâchez pas les athlètes. Come on. Cinq. Come on. Six. Good. Sept. Good. Huit. Deux autres. Come on. Neuf. Dernier. Dix. Yes. Good job. Dernier. Grosse période, hein? OK. On y va avec des burpees. Les dix dernières, mon athlète. Come on. On est prêt? Let's go. Down. Reviens. Un. Un à la fois. Come on. Hop. Deux. Let's go. Hop. Trois. Quatre. Lâche pas. Cinq. Six. Sept. Hop. Huit. Deux autres. Neuf. Dernier. Dix. Yes. Grosse première période. OK. On prend un petit 30 secondes. Good job. Bien travaillé. On va prendre une petite gorgée d'eau. Puis là, deuxième période, même genre. On va travailler encore les jambes dans un autre axe. Je t'explique. OK. Prochain, quatre exercices encore. Premier exercice qu'on va faire, on va faire des lunges step up. OK? Donc, on va faire des lunges ordinaires. On va aller en arrière, mais on va finir sur une jambe. On veut kicker vers l'avant, comme si on allait se propulser vers l'avant. Ensuite, on va faire, ça ressemble à des push-ups, planche, coude, main. Si tu t'en rappelles, c'est pas facile. Faut que tu mettes ta main où est ton coude. Ensuite, on va faire des squats. Squat régulier, on va descendre assez bas. Puis ensuite, on va faire mountain climber pour l'énergie. T'es-tu prêt? Fait que, tu vois, il y a encore bien des jambes, corps, bras. Puis tu vois, c'est, on appelle ça du 1 pour 2. 2 pour 1. Deux exercices de jambes pour un exercice haut du corps. OK? Puis à la fin, ça va être très corps, mais c'est pour l'énergie. Trois rounds, même chose. On y va en répétition. Donc, 10 d'un côté, 10 de l'autre. On va commencer avec la jambe gauche au sol, puis la jambe droite, elle va aller en arrière, puis elle remonte en avant. T'es prêt? Je vais mettre un peu de biais pour que tu vois comme il faut. Donc, jambe gauche reste au sol. Rentre le ventre, sors la poitrine. Je m'en vais en arrière. Un. Puis là, hey, on va faire comme si on avait encore des 50 livres. Pas de bouger les bras. OK? Comme ça. Down. Un. Down. Deux. Serre tes poids forts. Tiens-toi droite. Trois. Sois fier. Come on. Quatre. Lâche pas. Cinq. Comme il faut.
6, descends assez bas, fais pas ton chicken. 7, ah ouais, t'es capable. 8, 2 autres. 9, dernier. Et 10, parfait. On change de bras. 50 livres encore. Let's go. En arrière, chest out, rentre le ventre. 1, toujours une bonne posture. 2, let's go. 3, 4, yes. 5, lâche pas. 6, 7, 8, 9, dernier, 10. Good job. Planche, coup de main, on se lève 10 fois. On va essayer de faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. OK? T'es prêt? On se place. 1, on descend. 2, on descend. 3, on descend. 4, on descend. 5, on descend. Retourne de l'autre côté. 1, on descend. Serre fort les fesses. Hop! 2, on descend. 3, on descend. 4, on descend. 5, et on descend. Good job. Super. Next, ça va faire des squats. Puis là, tes squats, on va faire comme si on tenait un gros poids de 50 livres. Encore. J'aime ça, 50. On le tient en avant comme ça. On appelle ça des gobelets squats. OK? Donc, tu vas mettre tes pieds la largeur de tes épaules. Tu vas ouvrir légèrement tes genoux à l'extérieur. Pas tes genoux, mais tes pieds vers l'extérieur. Pas trop, là. Juste un peu. Parfait. On tient le poids. Sors ta poitrine. On sort les fesses comme si on voulait aller toucher à un banc avec nos fessiers. OK? Plus bas que tu es capable. Sors les fesses. Down. 1. Sors les fesses par en avant. Down. 2. Squeeze les fesses. Down. 3. Garde le poids en avant. 4. Down. 5. Down. 6. 7. Down. 8. Down. 9. Dernier. Et 10. Good job. Mountain climber. On va faire 10, mais de chaque côté. Puis là, les mains, les épaules au-dessus des mains. On tire les genoux, 10 de chaque côté. T'es prêt? On y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis tu vois où est-ce que je suis placé? Faut que tu restes positionné les épaules au-dessus de tes mains. Si tu t'en vas par là, tu vas faire l'exercice comme ça. Puis là, tu vas dire, coach, ça glisse. Mais c'est parce que tu es mal positionné. C'est pas supposé de glisser. OK? On repart au premier. On part avec nos lunges step-up. On monte nos poids. OK? On va à 60. On prend des 60. Es-tu prêt? On pogne nos poids. Solide. Mais en fait, on les ramasse pas comme ça. Hein? On va se tuer. Jambe gauche, elle reste au sol. Jambe droite, s'en va en arrière puis en avant. Es-tu prêt? Come on. Chest sorti, c'est parti. Down, 1, down, 2, down, 3, plus dur avec 60, 4, lâche pas, come on, 5, ah oh ouais, t'es fort, serre tes poids, 6, solide, sors la poitrine, 7, t'es fier, come on, 8, good, 9, one more, 10, wouh, l'autre côté, t'es prêt? Jambe gauche en arrière. Let's go, on y va. Down. 1. Descends doucement, touche au sol, remonte. 2. 3. Good. 4. Lâche pas. 5. Push. 6. Push. 7. Push. 8. Deux autres. Come on. 9. One more. 10. Oh. C'est pas facile. OK. Planche, coup de main. Commence à le sentir dans tes jambes un peu. Maman, papa, là, hein? Ça commence, hein? OK. Planche, coup de main. On se place. Let's go, on y va. 1. Je redescends.
2, down, 3, down, 4, down, 5, down, l'autre barre, 1, down, 2, down, 3, essaye de pas bouger tes fesses, 4, one more, 5, good job, squat, oh là ça va être plus tough avec le 60 livres, pardon. Ok, es-tu prêt? Ok, on y va, ouvre les pieds, on prend notre poids, là, il est un peu plus gros par exemple, ok, on le tient large, t'es prêt? Let's go, down, up, squeeze les fesses, 1, 2, down, 3, squeeze les fesses chaque fois, 4, down, 5, down, 6, pousse avec tes talons plus élevés, 7, 8, 2 autres, 9, dernier, et 10, good job, mountain climber, oh yes, ok, t'es prêt, les épaules au-dessus des mains comme je t'ai expliqué tantôt, ça c'est important, on y va pour 20, c'est parti, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20. Good job. Good job. On prend une petite gorgée. On va se prendre une petite 30 secondes. Ça va bien? Hey, on est en feu à ce soir. C'est bon. OK. Troisième. Prépare-toi, on monte à 70. Ouais. On est rendu là. On prend nos 70, on les ramasse comme il faut. Ouais, il faut plier les genoux. OK, t'es prêt? Jambe gauche reste au sol, jambe droite s'en va en arrière. 10. C'est parti. Doucement. 1. Sors la poitrine, c'est important. 2. Tu sais, si t'es tout rond, t'es pas tiré par en avant. 4. Down. 5. Puis lève-les ton genou, fais pas semblant. 6. 7. Hop. 8. Deux autres. Come on. 9. One more. 10. Oh yes. L'autre côté. T'es prêt? Let's go. On y va. Down. 1. Down. 2. Down. 3. Down. 4. Down. 5. Down. Sors la poitrine. 6. 7. Down. 8. Down. 9. One more. Down. 10. Yes. OK. Planche. Planche coup de main. Oh yeah. Let's go. On se place. T'es-tu prêt? C'est parti. 1. Down. 2. Down. 3. Down. 4. Down. 5. Down. L'autre côté. 1. Down. 2. Down. 3. Down. Lâche pas. 4. Down. One more. 5. Down. Good job. Tu prêtes les squats? 70. Ah ouais, on prend 70. On est capable. On est rendu là. Tu prêt? On prend le poids. Encore plus gros. Ouvre tes pieds. Tire les épaules par en arrière. Tiens tes poids fort. OK? On passe ça. Let's go. Down. Pousse. 1. Pousse. 2. 3. 4, 5, 6, lâche pas mon athlète, 7, good job, 8, 2 autres, 9, dernier, down, 10, yes sir, fini, ok, mountain climber pour 20, c'est notre dernier, ah oh ouais mon athlète, come on est-tu prêt? Let's go. On s'installe. Ready? Let's go. 1, 2, 4, 5, 6.
8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Yes, sir! C'est beau, guys. Beau travail, mon athlète. Beau travail, les parents. Commencez-vous à le sentir dans vos jambes un peu, là. Là, ça commence à rentrer. Troisième période. Là, la troisième période, on va travailler encore les jambes. On va travailler encore les abdos. Sauf que on ne travaillera pas de la même façon. On va travailler encore en répétition. On ne mettra pas de chrono à part le quatrième. Le premier qu'on va faire, on va faire ice skater. Là, moi, ice skater, tu t'en rappelles, on patine, on saute de côté. Moi, je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas sauter haut. Par contre, toi, à la maison, j'espère que tu as des chaussures dans tes pieds. Il ne faut pas que tu aies des bas et ça glisse, OK? Je veux que tu sautes haut et loin. Je veux que tu pousses le plus fort possible avec ton pied. Tu es ici, pousse, amorti. Puis à chaque fois que tu vas amortir, je veux que tu ailles amortir en fléchissant ton genou comme il faut. Puis descends-moi ta fesse comme si tu allais freiner. Puis te propulser à nouveau de l'autre côté. OK? Puis là, ce qu'on va faire, on va en faire juste 10 total. 5 de chaque barre. Mais c'est gros. Je veux que tu te donnes. Ça marche? Je veux que tu te donnes fort. Deuxième exercice, on va venir faire la planche de côté. Ça va? Donc, on va faire 30 secondes. Vu qu'il y a des 30 secondes, là, 2 secondes, je prépare ça. Là, on va faire planche de côté, 30 secondes. Ensuite, ce qu'on va faire, tiens, c'est pas trop long, hein? Et voilà, c'est de même. OK. Ice skater, 30 secondes, le plus loin que tu es capable d'aller. Planche de côté, 30 secondes un côté, 30 secondes l'autre. Ensuite, on va faire front jump. Là, je veux que tu sautes fort, loin, amorti, puis reviens avec des petits jumps. Tu t'en rappelles, on saute, puis on revient, hop, alors saute loin, puis à chaque fois que tu sautes, je veux que tu amortisses en descendant le plus bas que tu es capable. Puis on va terminer ça. Moi, j'ai encore mon carré. C'est pas grave, imagine-toi que tu as un carré. Quick feet, 30 secondes. OK? Fait que ça va être une grosse troisième période. On va prendre des breaks de 30 secondes en chaque parce que je te jure, on va en avoir besoin. Mais on fait ça 3 fois. OK? Fait que ça, écoute, là, quelle heure qui est? Ça va durer quasiment 10, 12, 15 minutes. OK? Fait que je veux que tu te prépares comme il faut, là. Moi, je vais juste... boum, boum, boum. Attends un peu. Je vais juste en mettre un peu plus. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4. Ça fait 5. Ça fait 15. Wow! Ça va durer 15 minutes. OK? On est rendu là, guys. OK. Fait que t'es-tu prêt? On commence ça avec Ice Skater. Ready? Dans 3, 2, 1. Pli, saute, amorti. Let's go. Moi, je peux pas aller loin, là. Mais toi, à maison, let's go. Ah ouais, je veux que tu y ailles. Oui, c'est ça. Loin de même. Let's go, on y va. Pousse fort. Je veux que tu amortis comme il faut. Pousse, amorti. Let's go. 30 secondes. Patine. Puis pousse fort. 10 secondes. Come on. C'est pas facile, là. Come on. 5 secondes. Let's go. 3, 2, 1. Yes. Good job. Prends ton souffle. Respire comme il faut. Puis là, on va aller à terre sur le côté. Planche de côté, ça va nous permettre de reprendre notre souffle puis de donner notre max quand on va sauter. OK? Je tasse ça. 10 secondes. On se prépare. On va se mettre du côté gauche. Rentre le coude en dessous. Place tes pieds. 4 secondes. Pousse tes fesses en avant. Let's go. Garde ça en haut fort. Garde ça en haut. 30 secondes, on ne bouge pas. Je te demande rien, respire. Serre-moi tes fesses. Pousse les fesses vers le plafond. Garde-moi ça solide. Come on. Respire, reste solide. Arrête de... Je veux pas que tu te tortilles. Boum! Regarde en avant. Fixe un point. On est capable, on ne lâche pas pendant 30 secondes. Pense, squeeze tes fesses. Pousse les fesses en haut, pousse les fesses en avant. Sors le chest.
Come on. Yeah. Yeah. Good job. 30 secondes. On s'en va de l'autre côté. Puis c'est important, ça. Tu sais, des fois, tu fais l'exercice, puis là, tu es là, tu te tortilles. Non, non. Solide. Solide. Je te l'ai dit, technique est importante. C'est pas le temps de lâcher, le nez tout mou parce que c'est dur. Non, non. C'est ça qui est dur, de garder la position, de garder la bonne, la bonne façon de faire. 3, 2, 1, let's go. Tire tes orteils vers tes tibias. Garde tes jambes droites et dures. Serre tes fesses vers l'avant. Pousse tes hanches vers le haut. Sors la poitrine, puis garde ta tête droite. Reste solide. Come on. Ça en fait des affaires, hein? Mais t'es capable. 10 secondes, let's go. Pousse tes fesses en haut, pousse tes fesses en avant. Keep it up. 5 secondes. 3, 2 et 1. Top shape. Woo! Écoute, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. Hein? C'est ordinaire ou extraordinaire? Extraordinaire. On saute en avant, on revient en petit hop. Puis je veux que tu sautes loin. Moi, je peux pas sauter super loin. Moi, là, je veux que tu sautes loin contrôlé pour que tu sois capable d'amortir. Je veux que tu sautes, amortis, reviens en 3 petits sauts à peu près. 5, 4, 3, 2, t'es prêt. 1, bon saut, amorti, rentre, 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 rentre. Good, saute, amorti. Moi, je veux pas déplaire à mon voisin en bas. Je peux pas sauter trop loin. Good, si t'es à la maison, good, vas-y. Good. Puis un bon amortissement. That's it. Good job. Good. Amorti comme il faut. Comme si tu voulais absorber le plancher. Down, 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 down. Combien? That's it. Good job. Quick feet. Rentre, rentre, sort, sort. 30 secondes. Pied large. Ça va bien. T'es bon. Lâche pas. Tu vois, c'est complètement différent de ce qu'on a déjà fait. Ça nous sort de notre zone de confort tout en connaissant les exercices, mais on ne sait pas trop comment ça va aller. Let's go. On y va positif. On reste fort. 2, 1, let's go. Si tu veux changer de jeu de pied, vas-y, ça ne me dérange pas. L'important, quick feet, il faut que ça bouge. Tu veux faire en avant, en arrière, comme ça. En dedans, dehors, juste une jambe. T'en connais plein, ça me dérange pas. Let's go. Keep it up, keep it up. 10 secondes, come on. 6. 3, 2, 1. Yes. Ouh. On respire un peu. 30 secondes. Ice skater. C'est bon parce que c'est 15 minutes. 7 minutes et demie de travail, 7 minutes et demie de repos. Wow! On n'a jamais fait ça, là. On recommence. Je veux que tu me fasses big jump. Ta jambe qui reste soulevée, je veux que tu l'envoies par en arrière, pas par en avant, pas à côté, ta pousse derrière. Oh, let's go! Pousse en arrière, amorti, amorti. Let's go, mon athlète, come on! Ah oh, ouais, t'es capable. Ah oh, ouais, pousse, pousse, pousse! Yes! Pousse loin, amorti. Pousse loin, amorti. Puis pousse encore. Come on. Keep it up. Good job. Puis descends-moi tes fesses, là. Je veux que ça plie ces genoux-là. 5 secondes. 3, 2, 1. Yes! Faut que tu plies tes jambes. Faut pas faire nos peureux, là. Côté gauche de planche. Let's go. Très bon. 15 secondes. Ah. Chacun des exercices, on veut les faire à la perfection. On veut être capable de se donner au maximum. T'es prêt? 3, 2, 1. Let's go. Yes. Tire les orteils. Barre tes jambes. Serre tes fesses. Pousse les fesses. Pousse les hanches. Sors la poitrine. Boum, garde la tête droite. Ouais. Regarde-moi, là. Ouais, je veux que tu me regardes tout le temps. Lâche-moi pas. Je veux pas que tu tombes ta tête droite. Good. Pousse les fesses. Oui. Lâche pas, lâche pas. Come on. 4 secondes.
2, 1. Yes! Yes! As-tu senti l'énergie? Hein? Ah ouais, lâche pas! Ouh! T'as un peu. Tasser mon micro un peu. OK. 15 secondes. Tire les orteils. Barre tes jambes. Puis là, on va partir ça ensemble. Rentre le coude en dessous déjà. 5 secondes. T'es prêt? 3, on se place. 2, 1. Let's go. Tire les orteils. Barre les jambes. Serre les fesses. Pousse les fesses. Lève les hanches. Sors le chest. Yes! Alors, regarde-moi, je veux pas que tu me lâches. Come on! On reste fort, let's go, mon athlète. Pousse, pousse, pousse. Let's go, on est fort. Tu sens-tu l'énergie, là? 10 secondes, come on. T'es capable, t'es capable, t'es capable. Come on! 5, pousse. 3, 2, 1. Boom! Facile! Facile! Ensemble, c'est plus facile, hein? Bien plus facile. OK, on jump. Big jump. OK? C'est important de bien amortir. OK? C'est important que tu descendes tes fesses, tu plies tes genoux. C'est là la puissance. C'est là que tu vas chercher ta force. 8 secondes. T'es prêt? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Saute, amorti. Boum, 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 boum. Saute. Reviens. Good. Big jump. Amorti. Toujours les pieds larges. À peu près à la largeur des épaules. Good. Parce que là, quand tu sautes, oh, ça prend du poids. Tu t'en viens plus lourd. Amorti. Puis repart. 10 secondes. Amorti. Good job. 3 secondes. Come on. 2, 1. Yes. Good job. Beau travail. Beau travail. Quick feet. Yes. Ah. C'est une longue période, ça. C'est un gros volume d'exercice. Habituellement, bien honnêtement, c'est rare qu'on fait ça. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, il faut sortir de nos bottines. 5 secondes. 3, 2, 1. Let's go. Nous autres, on sort de nos patins. Hein? Let's go. Come on. Let's go, papa. Let's go, maman. Let's go, la petite sœur. Let's go, le petit frère. Let's go, la famille. Come on, toute la famille. Let's go, on lâche pas. Good. On est bon. Come on, come on. Hey, le plancher doit shaker à la maison, hein. Ouf. Let's go. Oh, ouais, let's go. 6 secondes. Ouh. 3, 2, 1. Boom. One more. One more. Lâche pas, mon athlète. Oh, yes. On retourne au ice skater. Oh oui. Ouh! Fait chaud. 15 secondes. Petite gorgée. On va rester hydraté comme pot. OK. T'es prêt? Là, je veux que t'ailles loin. Puis pas à peu près. T'es-tu prêt? Ah ouais, let's go. Saute. Come on. Ah ouais, come on. Saute. Yes. Yes! Amorti! Plie-moi tes jambes! Ah ouais, plie tes jambes! N'aie pas peur, tu veux le sentir dans tes grosses cuisses de joueur de hockey. Let's go! Saute! Amorti! Boum, boum! Boum, boum! Lâche pas, mon athlète! Let's go! Yes! Yes! Push! Yes! Amorti! 10 secondes! Come on! 10! Puis prends le temps d'amortir! Reste! Reste! Push! Reste! Reste! Good job! Good job! Tu sais, le hockey, ça se joue sur une jambe la plupart du temps. On s'en va sur le côté. Notre grosse planche. Ah ouais, notre grosse planche. Ouh, 13 secondes. Ouh, combien de temps? OK, on ne bossera pas notre temps. 5. T'es-tu prêt? 3, 2, boum. Let's go. Hop. Yes, sir. Barre les jambes. Tire les orteils. Sors les fessiers, pousse les fessiers, pousse les hanches, sors ton chest, hop, puis on se regarde. Focus. Come on. Come on. Lâche-moi pas, lâche-moi pas. Come on. J'étais avec toi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yes, sir. Oh, t'es solide. Lâche pas. Laisse pas tomber ta tête, laisse pas tomber ton corps, puis laisse-moi pas tomber. Let's go. Come on. 3,
2, 1. Yes! Good job, mon athlète! Yes, sir! OK. OK, dernière de l'autre côté, même affaire. Même affaire. OK? On reste fort. On respire. Je l'ai dit, c'est pas cardio, c'est juste... C'est tough, c'est musculaire. 10 secondes. Come on. 5 secondes. 3, 2, 1. Let's go, tire les orteils. Barre les jambes. Squeeze tes fesses. Pousse les fesses vers l'avant. Pousse les hanches vers le haut. Sors ton chest. Puis garde-moi ça dans les yeux. Come on, regarde-moi, lâche-moi pas. Come on, on reste fort. Let's go, garde la tête droite. Je veux que tu me regardes comme il faut. Good. Pousse tes hanches. Let's go, let's go, let's go. Lâche pas ça. Come on. Let's go. 3, 2, 1. Yes! Yes! Woo! Come on! OK, on saute maintenant. Let's go. 20 secondes. Yeah, on est fort, on est fort, on est capable. Come on. 15 secondes. Je l'ai dit la semaine passée. On est capable. Let's go. 10. 8. Come on. 5 secondes. 4. 3. 2. 1. Let's go. On revient. Good job. Pousse. On revient. Come on. Woo! Down. On revient. Good job. Pousse. On revient. Keep it up. Keep it up. Down. On revient. Up. Down. On revient. Yes, sir. Push. On revient. Let's go. 7 secondes. Push. 4 secondes. 2. 1. Yeah! Woo! Il en reste un. Quick feet. Oh yes. On respire comme il faut. On lâche pas. On est capable. Yes. Come on. 10 secondes. All right. Dans 3, 2, 1. Let's go. Ah ouais, quick. Let's go, on y va. C'est notre dernier. Ah ouais, come on. Ah ouais, come on à la maison. Let's go, let's go, let's go. Yes, yes, c'est ça. Good. Ah ouais, on lâche pas, ça achève. C'est le dernier. Come on. Ah ouais, let's go, mon athlète. Let's go, papa. Let's go, maman. Let's go, la petite soeur, le petit frère, tout le monde. Ah ouais. 6 secondes. Let's go, let's go, let's go. 3, 2, 1. Boom! Yes! 15 minutes. Woo! Good job. Good job. 1, 2, 360. Oui, monsieur. Woo! Ça, c'était bon. Bien content de notre entraînement. Toi, tu fier de toi? Hein? T'es-tu fier de toi? À la maison, là, un petit high five, ça vaut la peine. Vous avez travaillé ensemble. L'effort. High five Saint-Jérôme. High five Lac-Saint-Louis. High five Saint-Jean. High five PML. High five. Good job, guys. Good job. Woo! OK. On va faire un petit retour au calme. Hein? J'étais parti, là. J'étais parti. Ouh, j'étais en feu. J'aime ça. J'aime ça. On est rendu bon. C'est le fun. On peut faire un paquet de nouvelles affaires ensemble. Des entraînements qui diffèrent, qui ne sont pas tous pareils. Puis, tu sais, rappelle-toi d'une chose. Là. Puis ça, c'est bon pour vous, les parents, les coachs aussi. On peut pas évaluer un entraînement parce que ton joueur ou toi, t'es brûlé. Ça veut absolument rien dire. C'est pas dur de brûler quelqu'un. Je pourrais faire des burpees pendant 30 minutes, puis on va être mort, toute la gang, on va être brûlé. C'est pas ça le but. Se développer, c'est s'entraîner. S'entraîner, c'est de préparer ton corps. Préparer ton corps, c'est conditionner ton cerveau, ton corps à fonctionner comme il faut. Là, il faut que tu penses à tout pour être efficace. Quand tu sautes dans la mêlée, tu n'as plus besoin d'y penser, ça se fait automatique. Ton corps, il bouge comme un athlète, c'est une machine. Fait que quand tu t'entraînes, le but, c'est pas de brûler la machine puis de dire « Oh yeah, bon workout parce que tu es à terre puis tu as besoin d'avoir la respiration artificielle. » Ça veut absolument rien dire.
c'est comment tu t'entraînes, les efforts, la concentration que tu y mets, tout ce que tu fais, le côté technique, le côté posture, puis tu travailles fort. Travailler fort, ça veut pas dire être mort. Travailler fort, ça veut dire que c'est dans la difficulté, tu travailles pour essayer de travailler des choses en particulier, puis de performer dans la difficulté qu'on te donne. Fait qu'arrêtez de penser que parce que t'es pas mort, let's go, on fait une... Tu sais, quand vous me dites, on fait une supplémentaire, hey, fais une heure. T'es assez, t'es pas obligé de faire 3 heures, tu seras pas meilleur. Tu seras pas meilleur parce que t'entraînes 6 heures d'une journée. Mais si tu fais bien des 1 heure, puis t'es fait comme il faut, puis tu travailles fort, bien, ça c'est payant. Comme on vient de faire. Puis même aujourd'hui, je te dirais, on a dépassé un peu. On a travaillé pas mal. Le volume était pas mal élevé, mais on a bien travaillé. Puis, tu sais, je fais exprès pour bien balancer les exercices, pour que tu sois en mesure de bien récupérer, que tu ne sois pas à moitié mort. Parce que si tu es mort et que tu n'es pas capable de faire les exercices comme il faut, on s'entend qu'on n'est pas dans la bonne ligne. Il faut répéter comme il faut. All right? Good job. On revient de l'autre côté. Good. Puis là, les parents, je trouve ça le fun que vous le faites parce que vous voyez que vos athlètes travaillent fort, hein, finalement. Souvent, les parents vous me disent « Ah, ben, vas-y, travaille, pousse-le, il est capable. » Je sais qu'il est capable. Bien, il travaille fort. Pas parce qu'il n'a pas l'air de travailler fort qu'il ne travaille pas fort. Il travaille fort, il se pousse, il fait ce que je lui demande, puis il fait bien, puis ça paye. C'est ça qui est payant. Pas débrûler, de s'entraîner, de se développer. Hey, mon athlète, beau travail. Les parents d'athlètes, beau travail, bravo. On lâche pas, je vous laisse pas tomber. Peu importe ce qui se passe, là, je veux même pas en parler. Semaine prochaine, même heure, même poste, un autre gros training. Salut la gang!